Voilà, on est vendredi, troisième jour à la Paris Game Week. Bienvenue à tout le monde sur le stand Asus avec League of Legends. League of Legends, le jeu qui porte l'e-sport en ce moment, et on en a fait un tournoi. Un tournoi à 15 000 euros, dotation de 15 000 euros à se partager entre les joueurs qui vont venir ici sur scène. Là, aujourd'hui, c'est les matchs de poule, on termine les matchs de poule. L'objectif pour toutes les équipes, ça va être sortir des poules. Je rappelle que pour le premier, il y aura 6 000 euros à gagner. Et pour les derniers, il y aura quand même quelque chose, 750 euros du 5e au 8e. Donc il faut quand même sortir des poules parce que celui qui arrivera 4e gagnera au moins 1 000 euros. Alors, là, on a ramené la coupe. La coupe un peu plus belle que la saison de l'année dernière. Je veux voir juste dans le public qui a regardé la saison 2 de League of Legends. Juste pour me... Personne n'a regardé la saison 2, la finale? Si, quand même. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire notre petite coupe de France, entre guillemets, hein, parce que la règle, pour que les équipes soient accueillies ici, en fait, il fallait au moins 3 joueurs français dans les équipes. Mais ça n'a pas empêché les équipes de ramener des joueurs étrangers. Il y a des Allemands, des Espagnols, etc. Voilà. Alors, je rappelle que pendant ce Paris Game Week, il y aura plusieurs contests. Le premier contest qu'on nous fait, c'est pour ceux qui sont sur le stream. Alors sur le Facebook d'NVIDIA France, il va y avoir une carte graphique à gagner. Il va falloir répondre, aller sur la page Facebook. Ici, il y aura une carte graphique à gagner tous les jours. Comment faire? Il y a des stickers qui ont été collés avec des réponses. Moi, j'ai les questions. À 17h, je vous pose la question. Je vais sélectionner une personne. S'il me donne les réponses à mes questions, il gagne la GTX 680. Alors, on a aussi un contest avec Republic of Gamer. Chez vous, si vous allez sur la page Facebook Asus Republic of Gamer France, vous avez la possibilité de gagner le G75. Voilà. Le G75 qui a gagné aussi ici, dans la petite urne qui est là-bas. Donc forcément, ceux qui ont fait l'effort de venir ici, ils ont une deuxième chance. Vous pouvez faire sur Facebook et ici. Et la démo de Neverwinter, alors voilà, c'est le stand qui est là-bas. Vous allez pouvoir assister, jouer à la démo. Alors ça dure une quinzaine de minutes. Si vous battez le boss de fin, vous gagnez la démo. À 11h, à 13h, il y aura des jetés de goodies. Et à 3h, il y aura un contest. Celui qui battra le boss le plus rapidement possible pourra choisir parmi 3 cadeaux. Alors, il y a une carte graphique d'NVIDIA encore, un casque et une carte son. Voilà. Ça, c'était pour les contests qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y a pas que ça. On va accueillir tout simplement l'équipe de Riot qui a eu la gentillesse de venir ici nous rejoindre au Paris Game Week. Je vous demande d'applaudir l'équipe de Riot. Bonjour. Salut. Enchanté. Ça va? Heureux? Oui. Alors hier, on s'est super bien amusé. Oh, c'était génial hier. Ah, c'était exceptionnel. Les matchs des joueurs étaient magnifiques. Et puis on avait tout un tas de goodies. Ah, c'était bien. C'était pas mal. Alors t'as ramené ton équipe, tu peux présenter l'équipe qui sera présente aujourd'hui au Paris Game Week. Alors, nous avons Witchburner, assistant marketing. Vous pouvez l'applaudir. Co-vice president. Ah, avancez-vous un petit peu. Avancez-vous. Et donc, Sergi. Avancez-vous, n'ayez pas peur. Mettez-vous. Qui est donc community coordinator allemande. Voilà, et toi, c'est quoi ta fonction? Et moi, c'est Ziwin, de l'équipe du support. Voilà. Alors, vous avez préparé des surprises pendant toute la durée du Paris Game Week? Tout à fait. On a des jeux auxquels on va faire participer le public entre chaque match. Et on va avoir aussi un concours de cosplay demain, qui aura lieu à 13h. Oui, il semble que les inscriptions se terminent à midi demain, ça a confirmé. Oui, les inscriptions sont demain durant toute la matinée. C'est ça. Voilà. Entendu. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. On se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'il y a déjà une preview de ce qui va être lancé tout à l'heure, comme vous disent. Tout à fait. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.
Et je vais accueillir les managers d'équipe, parce qu'on va lancer le premier match de poule. Le premier match de poule, c'est Eclipsia contre First Love. Alors je vais demander au manager de me rejoindre. Viens avec moi. Non, ne sois pas timide. Alors, à ma droite, j'ai I'm So Fresh. Alors, premier match de la journée, premier match de la compétition. T'as déjà fait de la scène, hein, t'as déjà fait plein de compétitions connues en France. Alors, comment tu la sens, cette rentrée dans la compétition? Là, tout de suite, je suis pas très chaud, mais pour les suivants, je pense que ça ira. D'accord. Si t'avais quelque chose à dire à tes adversaires, là, aujourd'hui, les First Love qui sont un mix, hein, alors que, ben voilà, t'as eu l'habitude de jouer avec de grandes équipes. Je sais pas, rien de spécial, mais... Putain, tu me déçois, mais Sofra, t'es pas réveillé ou quoi? Mais j'ai pas l'habitude de dire quelque chose à mes ennemis juste avant un match, quoi, c'est... D'accord, t'es pas du genre à attendre, en tout cas. On va vous défoncer, bonne chance, et puis bah voilà, quoi. C'est pas forcément ce que j'attendais, mais... Ok. T'as entendu ce qu'il a dit? Alors, hier, vous avez cru une petite surprise, vous avez gagné votre premier match, c'est ça? Non, vous avez perdu, pardon, c'est ça, et vous avez gagné l'autre. C'est ça. Alors, vous avez joué qu'un match? D'accord. Ah oui, pardon, First Love, oui, les fanatiques. Bah, vous avez été rentré dès le début, avec les favoris. Comment tu vois le reste de la compétition? Je pense qu'aujourd'hui, on a une grosse carte à jouer, on va essayer de prendre un maximum de plaisir, d'essayer d'avoir le spectacle le meilleur possible. Je pense que notre objectif, c'est essayer de sortir des poules, mais si on arrive au moins à prendre un point, on sera déjà très très content, parce que par rapport à l'entraînement qu'on a eu, on est un mix, il y a le jungle qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer avec avant, donc il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en team. Mais hier, ça s'est bien passé, on va prendre le plus de plaisir et donner le maximum. Ça fait plaisir, tu sois encore au taquet comme hier. J'ai une petite question personnelle. Tu tiens super bien le micro, tu fais du rap dans la vie ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai que j'ai fait un son sur League of Legends et ça a fait un petit peu le buzz, mais c'était du pur plaisir et c'était un échange avec les viewers. Et je leur passe une petite dédicace à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. Bonjour à tous. Ok, bah vous pouvez applaudir l'équipe First Love et Eclipsia. Ah oui, ah, toi aussi tu veux lui envoyer un mot, bah avec plaisir. Faut que je lui réponde, bah au pire si vous nous défoncez, je t'attends à la sortie. Ben voilà, vous pouvez rejoindre vos places. Pour, bien sûr, ouais, serrez-vous la main, excusez-moi. Serrez-vous la main, c'est fair play. Alors voilà, pour commencer ce match de poule, qui semble être chaud déjà, il y a un petit peu de tension, eh ben, on a Jiraya et Skyheart. Et bonjour à tous, donc moi c'est Skyheart et moi c'est Jiraya. Salut tout le monde, donc on va être en votre compagnie tout ce matin pour suivre les derniers matchs de poule en ce vendredi. Donc on va commencer tout de suite avec Eclipsia contre les First Love. First Love qui ont perdu leur premier match hier, mais qui avaient un gros morceau, ils avaient Fnatic. C'est ça, les Fnatic sont peut-être une des, certainement en tout cas, l'une des premières équipes de la compétition. Donc c'était pas évident hein, de commencer directement par une des équipes clairement favorite, c'était vraiment chaud, ils sont assez bien défendus mais ça a été quand même assez rapide, on a vu la game qui a été finie en 26 minutes, mais là il y a peut-être moyen de faire quelque chose contre les Eclipsia. Maintenant les Eclipsia sont aussi je pense une des équipes favorites de la compétition, ça va pas être non plus très facile. On l'a vu, en tout cas ils sont quand même bien chauds, hein. Dwabi il voulait en découdre. Ouais, Dwabi était pas mal hier, enfin hier je trouve qu'ils ont pas mal joué, après ils ont pris Fnatic c'était très compliqué, il faut savoir qu'ils étaient ultra favoris, on avait Eclipsia de l'autre côté, on avait A aussi, les GSU, anciennement honorable opponent à l'équipe de Schleyer. Donc là ouais, c'est vrai qu'ils prennent des gros morceaux dès le début, c'est pas évident, mais on va voir, au pire ça s'arrêtera à la sortie de la Paris Games Week je pense. C'est ce qu'il a dit, oui a priori, mais bon, honnêtement... Je mettrais quand même les Eclipsia favoris, maintenant je pense que tout est possible, hein. C'est du best of one, il suffit de gagner, ça peut aller très très vite, hein. Honnêtement sur League of Legends je pense que tout est possible, les favoris ne gagnent pas forcément tout le temps, et c'est une très bonne équipe aussi les First Love, donc il y a tout à fait moyen de faire quelque chose, on voit déjà les joueurs qui oula. On voit les joueurs là des Eclipsia, en premier plan donc Kuja, en deuxième Eidal, en troisième C'est Enemies, ouais, en quatrième Tabs, et en cinquième I'm So Fresh qu'on a pu voir lors de l'interview de Salim.
grosse interview. Du coup, on attend le dernier joueur des First Love. Alors, ils ont changé de name. On a Doggy, on a Yuki qui est présent, Xiao. Je pense que c'est Starry, bon patch, il nous manque le dernier joueur avant qu'on puisse lancer. Non, là, ils font les derniers réglages au niveau des micros, etc. Donc c'est pas évident à chaque fois qu'il faut ramener son stuff, etc. Donc voilà, on les a ici. Enfin, je connais que Doigby après de tête, honnêtement. C'est ça. Là, c'est l'équipe. Donc Doigby en first, en deuxième. Alors, je ne connais pas tout le monde dans cette équipe. En troisième, c'est Starry. En quatrième, c'est Xiao. En cinquième... Donc il doit y avoir Yuki et Narcus, mais je ne sais pas qui est qui. Je leur demande, mais ils veulent pas. Non, c'est Narcus le 5ème joueur. C'est Narcus, donc GSU Narcus, je crois, qui dépanne hein, les First Love. On a pu voir contre Fnatic, notamment, il avait réussi à prendre le First Love contre Irak. Irak bot. Hein, ouais, Narcus qui est un très bon joueur. Très bon joueur du jungle, ils avaient sorti son Fiddlestick. C'est ça. C'était vraiment très très rare, mais... Enfin, il était plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'il était vraiment pas mal. Ils lui ont banni Skarner parce qu'apparemment il fait le café aussi avec. Ça. Et c'était plutôt ballsy. Après, bon, on va voir. On a vu que ça s'était bien passé au début. Le problème, c'est qu'il avait récupéré tous les kills. Et on va pas dire que Fiddle, c'est un perso qui slowball, c'est pas Indiana. Et puis en face, c'était quand même les Fnatic. Bah, c'était les Fnatic, ouais, il avait fait une très très bonne game. Mais honnêtement, je trouve. Mais c'était pas évident. Là, apparemment, il y a un petit problème de PC. Ils vont régler ça très rapidement. Ok. En tout cas, on est sur un patch, c'est pas le serveur live, donc il y a un petit décalage de patch. On est à peu près quelques semaines avant donc le patch de Kha'Zix. Ouais, le patch de Kha'Zix. Donc du coup, on a Rengar qui n'est pas nerf, qui est totalement broken. On a le DFG qui n'a pas été nerf aussi. Enfin, on a énormément de différences. Donc là, on va faire patienter un petit peu avec une vidéo. Et du coup, on vous dit à tout de suite, le temps que les joueurs finissent de se préparer. Voilà, alors apparemment il y a toujours ce souci de PC, ils sont en train de le changer, voilà c'est lors de quelques minutes et puis on pourra partir dans la game, les joueurs qui se tentent un peu dans le chat, ça parle un petit peu. Et puis on sera là-dessus, donc on l'avait dit, on joue sur le patch Kha'Zix. C'est ça, donc ouais, énormément de différences hein, par rapport au serveur live, il y a eu notamment le nerf du bracelet de feu mortel, hein, le bracelet de feu mortel qu'on a pu voir quasiment d'ailleurs toutes les games hein, hier et avant-hier. Là c'est la fin des poules, donc ce soir on saura qui part en phase finale. Il faut savoir que les deux gagnants de chaque, enfin les deux premiers de chaque poule, il y a 4 équipes par poule, passeront en phase finale et les autres seront éliminés et partiront avec 750 euros. C'est déjà pas mal. Qui couvrira en tout cas, à mon avis, la totalité ou la quasi-totalité des frais. Ouais, la quasi-totalité, je pense. Donc, du coup, là, ils se préparent, on sera tranquille. Toi, on en a beaucoup parlé, nous, en tant que caster, en tout cas, le fait de jouer sur ce patch Kha'Zix, t'en penses quoi concrètement au final? C'est vrai qu'on est sur ce patch, on est sur un serveur tournant, on n'a pas de décalage aussi au niveau du stream, on a 8 secondes de décalage pour être, c'est du quasi direct. Donc, c'est un petit peu différent.
Et moi je trouvais que le dernier patch était le plus équilibré, ils avaient nerf beaucoup de choses, ils avaient rendu la méta, enfin je trouvais que c'était bien mieux comme ça. Bah, et le fait de jouer sur l'ancien patch c'est peut-être un peu plus contraignant. Disons que c'est vrai que sur le nouveau patch je pense l'intérêt c'est de voir peut-être plus de pools de champions, donc une diversité de picks supérieure, puisque là il y a quand même sur ce patch des champions qui sont plus forts que d'autres, hein, comme on l'a dit. Sur la top lane en général, on voit Jayce, on voit Team Jax. Ouais, Jax, on voit du Rengard s'il est pas piqué en jungle aussi. C'est mais ça. Rengard, généralement, il est first bath. Alors, Rengard, c'est godlike. Au mid, on a beaucoup d'Evelyn. Organa qui est toujours fort, hein, qui est toujours un champion très très fort. Sur la bot lane, on voit souvent du Ezreal. Ezreal n'a pas non plus été nerf. On voit Dasona, peut-être du Blitzcrank. Blitzcrank, on en a pas vu beaucoup, honnêtement, pour l'instant. On en a c'est pas un pick assez risqué quand même, faut dire. Ouais, je pense aussi, mais après, ça reste un très bon pick dans le sens où, en tant que support, je trouve que c'est très agressif, c'est pas mal pour prendre avantage sur la bot lane. Après, tout dépend de ce qu'on a en face également, c'est pas évident. Faut pas graber n'importe comment, mais c'est vrai qu'on en a pas vu beaucoup. On a vu beaucoup, mardi et mercredi pendant les games spectateurs, les games avec le staff Riot aussi. Mais pendant la compétition, enfin, deux mois de ce que j'ai vu, on en a pas eu une seule fois. Ouais, on en voit en tout cas des Skarner en jungle, un Skarner qui s'est fait nerf après. Donc là, pour l'instant, Skarner est encore très très fort. Hein. Il y a encore un petit bug sur l'ultime lorsque vous faites l'ultime avec Skarner. Quand l'ultime est commencé à caster, si l'adversaire flash, et bah, ça le ramène du flash en fait. Ça ramène du flash, ça annule comme s'il n'avait pas flashé. Et du coup, bah. Ouais, c'est très contraignant. Et c'est pareil, le shield qui n'est pas nerf, donc du coup, c'est au niveau du cooldown, il me semble. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que le cooldown est assez court, en plus du passif de Skarner qui permet de réduire tout ça assez rapidement, c'est pas évident. On a vu qu'il a été énormément pick, énormément ban, à contrario, sur la Wave, d'accord, oui, bien sûr. Et pour résumer, pour la journée d'hier, les... Ok, bah parfait. On avait donc les...